Shalom, ici la chante de l'Éternel Claire Bailly et vous êtes dans ma minute sans filtre. Étant situé, je suis Bailly Kiwa Claire et mon nom de chantre, et on va dire même avant, c'est je suis toujours Claire Bailly. Oui, les résolutions, on les a, mais en tant qu'une servante de Dieu, c'est des choses, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de faire toutes choses en secret et après mettre au grand jour. Alors, mes résolutions sont vraiment bonnes et je pense que ça ferait du bien à pas mal d'enfants bénis de Dieu qui suivent mon mot Claire Bailly. En trois mots, je dirais amour et voilà, le sourire. Et j'aime mon Seigneur et puis voilà, j'aime mon prochain. En un mot. Bah, quand je me réveille, la première chose, c'est de bénir mon Dieu. Et c'est ce que je demande même à tout le monde, que ça soit une routine, on va dire, comment je vais dire ça même, quelque chose qui s'impose à tout bon chrétien ou serviteur ou servant de Dieu. Quand tu te réveilles, avant de parler à monsieur, à madame, à quelqu'un, mais de regarder ton portable, c'est de dire merci à Dieu, l'adorer, lui confier et déclarer, prophétiser sur sa vie. Et c'est la première chose qui est devenue mon quotidien aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est feu mon ami DJ Arafat. Non, qu'il n'est plus, mais voilà, je suis au service du Seigneur et c'est le Seigneur qui m'inspire aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas de style de musique. Aujourd'hui, j'ai un message voilà, dont le Seigneur m'envoie de véhiculer. C'est de vraiment accepter le Seigneur, c'est d'accepter le Seigneur et puis vivre normalement. Voilà, et pour dire à quelqu'un, viens, fais mon style de musique, effectivement, c'est adorer Dieu. Pourtant, adorer Dieu, ce n'est pas que seulement chanter, c'est faire d'autres choses. Tu peux aimer ton prochain, donner à quelqu'un, faire plein de choses. Tout ça, c'est adorer le Seigneur. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas de style de musique, mais je fais du gospel, couper des galets gospel, parce qu'ils m'ont dit, ah, mais la musique et tout ça. Donc, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de donner sa vie à Christ et adore ton Dieu comme tu l'entends, comme tu le veux. Voilà. Mon souhait actuel, c'est de tout, que l'évangile touche plus de jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est perdue. Quand je dis perdue, on entend tellement de choses, des enfants qui meurent à gauche, des jeunes filles qui meurent à droite. Vraiment, mon rêve, c'est que si le Seigneur me donne cette force-là, qu'il me oint davantage, en fait, que cette voie-là porte, pour que cette jeunesse partout dans le monde soit touchée, pour que l'évangile, parce que sans Dieu, nous ne sommes rien, quel que soit tout ce que nous faisons. Donc, je ne voulais pas qu'un enfant parte de ce monde sans connaître le Christ. Et vraiment, c'est ça mon souhait et mon rêve pour le monde. Si la musique ne faisait pas partie de ma vie, c'était d'évangéliser, parce que c'est ce que je fais le mieux aujourd'hui. Aller dans la rue, parler de Jésus, m'asseoir sur mon Facebook, parler de Jésus, parler de l'Évangile, parler du bien de Christ. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut rechercher, le salut, quel que soit ce qu'on a. Parce qu'on voit aujourd'hui, les gens, ils ont des milliards, ils ont tout. Mais tu pars, tu ne peux pas acheter la maladie. Et on a vu le coronavirus qui a paralysé tout le monde. Et personne n'a pu, même marier tes millions, tu ne peux pas sortir. Tout le monde a été confiné, tout le monde a été bloqué. Donc, si tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu pour vraiment sauver ta vie, je n'ai pas de meilleur travail aujourd'hui à faire si ce n'est que ça. Ah, placali sauce copée. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Ça, non, la caméra m'est étonnée. C'est ça qui a pris aujourd'hui. Donc, du coup, moi, je passe mon temps à dire ça. Il dit que Jésus m'est étonnée. Non, vraiment, en ce moment, c'est ça qui me passe dans la tête. Non, ici, on jaillit quoi. Voilà. Ma plus grande peur, c'est de voir mes proches ne pas connaître le Christ. C'est-à-dire, quand je dis mes proches, c'est-à-dire les gens à qui je parle du Christ ne pas accepter le Seigneur. Sinon, aujourd'hui, vous savez, quand on a franchi une certaine spiritualité, quand tu rentres dans le monde de la spiritualité, tu n'as plus vraiment peur. Parce que quand tu as peur, c'est comme si tu ne sers pas le véritable Dieu, le Dieu fort. Alors. Ma peur, c'est que cette jeunesse-là, beaucoup ne soient pas captivés, beaucoup ne comprennent pas. Et voilà, c'est ça. Mais je pense que le Seigneur fera tout. Il est capable de tout et il va faire le reste. J'aime plus Abidjan. Amour.
Je pense que si quelqu'un, comme j'aime donner, je ne peux pas parler d'épargne en tant que tel. Voilà. Je me vide pour mes proches. Donc, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais bref. Donc, je vais dire que peut-être c'est dépensé. Voilà. Plus Facebook. Je pense que tu as parlé quand même. Très casanière. Les deux quand même, bon, il faut que je choisisse. J'aime bien les baskets. Oye, yo, lago, mona, tava, oh.